Aujourd'hui, nous allons découvrir comment créer un site e-commerce. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui on se retrouve pour savoir comment créer un site e-commerce. J'ai eu beaucoup de commentaires positifs à propos de comment créer un site internet et c'est pour cela que je poursuis la série. L'objectif est de faciliter autant que possible la création de ton site. Que ce soit rapide, facile et que tu puisses gagner du temps pour développer vraiment ton business en parallèle. Le but est d'enlever les difficultés techniques pour ceux qui ne veulent pas trop s'y intéresser, que ce soit le HTML, le CSS ou bien le JavaScript. En plus de ça, ce que je vais vous présenter, il y a des templates qui sont gratuits, donc faut en profiter. Hop, c'est parti, on se retrouve donc sur l'ordinateur. Dans la description de cette vidéo, il y aura le lien du site internet Wix pour commencer notre première boutique. Hop, 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 avant de commencer, je voulais te montrer des exemples. Le premier, c'est celui, d'un site qui vend des vélos. Lorsqu'on met juste le curseur, imaginons, sur l'image du vélo qui nous intéresse, eh bien, il affiche une autre image, sachant qu'il y a plein de petits liens, que ce soit l'accueil, boutique en ligne, à propos et aussi contact. Pas besoin de faire quelque chose de très compliqué, que ce soit pour un site e-commerce, si c'est très simple et très bien fait, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors là, on va passer du côté d'un fanatique de Star Wars qui vend des tasses, des mugs, comme on peut bien le dire aussi, et bien de Star Wars, que ce soit aussi des petites protections et bien pour ordinateur. Là, on va passer à du concret. On arrive sur le site Wix. Créer votre boutique en ligne facilement, c'est super. On clique sur créer votre boutique en ligne, un petit temps de chargement et par la suite on aura accès à tous ces templates qui sont gratuits, qui sont mis à disposition. Alors juste avant, pour créer votre compte, il y a deux possibilités. La première, c'est celui de créer votre compte en mettant votre adresse email ainsi qu'un mot de passe. Ou alors la deuxième, c'est de vous connecter depuis votre compte Facebook. C'est assez dingue dans le sens où il y a vraiment plein de templates gratuits. J'avais pris la dernière fois donc le garage vintage, mais je me suis dit ici on va en prendre un autre. Regardez tout ce qu'il y a. Oui, il y a l'iceberg et la glace. Il fait extrêmement chaud en ce moment, donc on va cliquer. J'appuie sur modifier et je vais arriver sur le site internet où je vais pouvoir et bien modifier. Mais attention, ici je veux vraiment créer une boutique et non juste un site internet. Donc il va falloir que j'accède à quelques petits paramètres pour créer ma boutique. On trouve donc sur le site internet avec la glace juste au milieu, faite exprès juste pour m'énerver. J'aurais quand même pris celle à la vanille, mais bon, je vous ai expliqué lors de ma précédente vidéo toutes les fonctionnalités un petit peu du système pour qu'on le crée le site internet et pour que ce soit un petit peu ergonomique et assez joli. Mais ici nous allons donc créer une boutique et appuyer sur ajouter, donc la petite le petit plus, et par la suite sur boutique. Quand on clique sur boutique, il y a juste à descendre, à slider, hop, on scrolle un petit peu. On peut voir aussi qu'il y a le bouton PayPal qu'on peut rajouter, Wix Forum, Buy It Now et bien plus. Et qu'on peut voir ce qui est coché, vitrine attrayante, gestionnaire de boutique facile à utiliser, aucune connaissance technique requise, recevez vos paiements facilement. Donc je fais ajouter au site. Et donc ma boutique va s'installer sur le site internet. Nous avons des exemples qui sont mis à disposition, que ce soit des chaussures, des paires de lunettes ou bien des montres. Mais nous, nous ne voulons pas faire ça. Nous pouvons aussi ajouter ou supprimer des articles, changer les prix, gérer les stocks ou promouvoir un produit. À ce moment-là, je me retrouve avec tous les articles qui ne m'intéressent pas, que ce soit des paires de chaussures ou que ce soit eh bien, des paires de lunettes. Donc je vais les cocher. Je les ai tous sélectionnés, je vais appuyer sur supprimer et c'est là où ça va vraiment devenir intéressant. Les articles supprimés seront retirés de votre boutique et ne pourront pas être récupérés. Pas de souci, je supprime, je ne suis pas intéressé. Mais attention, mesdames et messieurs, nouvel article. Alors, on a deux possibilités, que ce soit un fichier physique ou un fichier digital. Dans le fichier digital, par exemple, que ce soit des e-livres, des albums digital, doc imprimés ou physique, eh bien évidemment des t-shirts, des chaussures ou skateboard. Et moi, j'ai pris, par exemple, aujourd'hui, des hand spinners. Je sais. Je tape donc le nom de mon article, Hand Spinner Color. J'ai un super joli hand spinner avec une très belle couleur. Je fais ajouter une image. Je clique dessus et je vais arriver sur une interface avec des images que j'ai déjà téléchargées sur le site. Mais mon color, pour vous montrer, eh bien, n'est pas déjà sur le site. Donc, je vais devoir faire télécharger une image. J'ai créé un dossier sur mon bureau qui s'appelle boutique. Eh bien, je vais mettre mon joli hand spinner noir avec des belles petites couleurs. D'ailleurs, j'ai jamais vu celui-ci. Donc, ça peut être assez intéressant de le voir. Donc il va l'uploader et bien sur cette interface. Je fais terminer, je fais appliquer et hop, c'est bon, j'ai mon hand spinner. Bon, c'est pas tout, maintenant faut mettre aussi un prix de vente. Alors celui-ci, imaginons, je vais dire, allez, 15 euros ce hand spinner. Donc je le mets à 15
Je peux bien sûr rajouter une description. Alors c'est le but, hein, c'est vraiment de mettre une bonne description en expliquant pourquoi l'acheter. Après ça c'est un petit peu au niveau de la vente. Et puis aussi je peux gérer les stocks, que ce soit un statut, est-ce qu'il est en stock ou est-ce qu'il faut après le commander, etc., etc. Donc ça c'est bien important pour toi. Et puis je peux mettre aussi un texte personnalisé, des options d'articles et bien plus. Imaginons ici je reste sur cette position, je dis allez j'enregistre. Et je vais donc me retrouver sur le site internet avec le hand spinner pour 15€ et qu'il est en stock. Donc là on retourne sur le site, il charge, il se remet à jour et il va me montrer mon hand spinner sur l'écran avec le prix juste en dessous qui est de 15€. Pour cet exemple, on se retrouve sur cette fameuse plateforme où il y a toutes nos images qui sont déjà uploadées sur leur site. Alors en fait, on se retrouve juste en dessous de l'image, on peut la télécharger, la rogner et modifier, la supprimer, la renommer et puis un petit zoom de l'image. En fait c'est super intéressant parce que ici je vais me dire je vais vouloir en fait la rogner, la modifier. Donc il suffit que je clique dessus, on se retrouve sur encore une nouvelle interface où il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités, que ce soit blanchir, l'imperfection, stickers, dessin, netteté, mise au point, color et bien d'autres, des effets améliorés, orientation. Enfin c'est vraiment mais très complet et tu peux vraiment positionner ton hand spinner très facilement. Je poursuis au niveau de mes articles, un hand spinner rouge, je fais la même chose, ajouter une image. Et puis je peux bien entendu ajouter mon hand spinner rouge et faire enregistrer. Alors il va falloir que je mette un prix, imaginons que celui-ci est moins intéressant, donc moins cher, allez vraiment pas cher, je le mets à 5€. Alors attention, il y a des choses qui sont très intéressantes, on peut aussi rajouter des vidéos. Et c'est vrai que aussi pour vendre, que ce soit par des vidéos, eh bien c'est toujours plus intéressant, on peut mieux voir l'article et puis ça donne un peu plus envie de pouvoir se le procurer si vraiment l'objet est très cool. Donc je me retrouve encore au niveau du hand spinner et ça va être marqué au niveau des vidéos. Pour ajouter cette fameuse vidéo, il suffit de cliquer sur ajouter et puis là on va voir encore une nouvelle liste déroulante qui va être juste énorme et cliquer sur vidéo et donc ici ça va être un lien YouTube. Pour modifier la vidéo, il suffit de cliquer juste au-dessus lorsqu'on sélectionne la vidéo sur le site. On appuie sur changer la vidéo, on a donc le lien ici de la vidéo YouTube. Et donc je vais sélectionner un autre lien, celui de ma vidéo Hand Spinner, que je vais juste coller ici, je fais mettre à jour et vous allez voir que il y aura donc ma vidéo qui va se mettre ici. Je peux même faire une lecture automatique mais bon j'aime pas trop, c'est pas trop conseillé. Comme ça peut être assez sympa et la personne peut cliquer par la suite. Alors ce qui est très intéressant, un petit peu comme la création du site internet, on a bien sûr la possibilité de faire un aperçu avant de la publier sur internet et aussi cette fameuse fonctionnalité où on va passer en tant que smartphone avec une jolie petite interface. Je fais modifier vue mobile et nous allons voir déjà sur mobile qu'est-ce que ça donne. À mon avis avec la vidéo ça va être un petit peu bizarre, nous allons voir. Donc je ferme ici le petit pop-up. Finalement ça n'a pas trop modifié à part cristaux lyonnais où il va falloir que je rapetisse le texte avec hand spinner, mon magasin shop hand spinner avec donc le rouge. On se retrouve avec celui qui a un petit peu de couleur, attention il va falloir que je redécoupe par la suite. Et avec ma vidéo juste en dessous j'ai fait aussi, on peut modifier, c'est très facile et très simple, j'ai fait au niveau des horaires et puis au niveau des contacts. Donc là aussi je vois qu'il y a quelques petites modifications. Donc je vais retourner la vue sur l'ordinateur et pour vous montrer très rapidement, pour modifier des textes tu peux même aussi modifier que ce soit les couleurs, les backgrounds, enfin vraiment tout. Et surtout c'est une interface qui est vraiment très simple. Par exemple ici on a le contact, j'ai juste à double cliquer dessus et puis je peux taper et puis écrire ce que je veux en fait. Donc voilà, c'est extrêmement simple. Par la suite lorsque j'ai créé ma boutique et que c'est un petit peu plus joli, parce que là c'est vraiment quelques minutes mais c'est vraiment pour te montrer, tu peux t'éclater, donc n'hésite vraiment pas. Il suffit d'appuyer sur publier et tu vas voir en fait, tu vas avoir un lien du site où d'ailleurs on va accéder. Donc je vais faire voir le site juste à côté et on va pouvoir accéder donc au site internet que j'ai créé. Alors bien entendu pas besoin de créer le site pour voir, il y avait une petite fonctionnalité en plus, en fait elle s'appelle aperçu. Donc elle permet de voir ta vidéo, plutôt ton site internet, juste avant de la publier. S'il y a des fautes ou quoi, mieux vaut éviter toutes ces petites erreurs. Juste avant, je vais modifier le fond d'écran, le background, ici appelé l'arrière-plan.
juste à cliquer dessus et comme d'habitude, je clique sur image et je vais importer une image que je pense qui est déjà, voilà, qui a été déjà importée. Donc je la sélectionne, modifier arrière-plan. Et puis, je vais avoir un joli petit fond en gris. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas aussi à me le dire dans la barre des commentaires si tu aimerais que je puisse poursuivre cette petite série à propos de l'e-commerce et pour créer un site internet sur ma chaîne YouTube Christo Lyonnais. Boum! Merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et tu sais quoi? Continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer.